Salut les Vapeurs, ça rage de retour. Et oui, il est de retour à nouveau. Il est toujours de retour. Jeudi 5 mars. 5 mars 2015. Il est 14h34 et 35 secondes. Revue matos aujourd'hui. Sur un dripper coréen, le Silence by Vaporshock. Les modeurs qui ont déjà commis le mode mecha revolver que je montre plus tard. Que je monte en full setup Vaporshock. Ici sur ma Nexome, mon Nexome. Dual coil, full open. Excellent dripper, simple, sobre, plutôt joli. Voilà, compact. Très bien. Pas terrible. Envoyé par Aurélien de Sweet and Vapes. Merci Aurélien, c'est sympa à toi. J'ai un peu traîné, comme d'habitude, je traîne pas mal. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Très bon rendu, hein. Une chambre avec un dôme. Système d'airflow qu'on peut mettre en bas ou en haut. Enfin, je montre tout ça très bien. Je fais un petit montage rapide. Voilà, on en reparle plus tard sous cette vidéo. N'hésitez pas à commander, à liker, à commenter, à liker, à vous abonner. Ouh, très bon. Ça va super bien. Donc on passe tout de suite en gros plan, on va pas traîner. Ciao. Allez, hop, 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 hop. Donc nous voilà en gros plan sur le Silence by Vaporshock, modeur coréen. J'ai préparé mes coils, j'ai préparé mes moustaches de Fiber Freaks pour plus tard, histoire de gagner un peu de temps. Et mes outils, ma boisson et ma vape. Je vais vous montrer tout ça rapidement. C'est parti. Donc cela vient dans une petite boîte en bois d'arbre de piètre qualité, hein, du placo, enfin je sais pas, du bois de cagette quoi. Avec un logo gravé, je ne sais pas, en crayon on dirait, pas mal. Petit coffret comme ça. Hop, avec deux mousses, avec un sachet de Spers qui sont sous la mousse je crois à réception. Petite boîte qui peut resservir, on est content. Petit sachet de spare qui comporte deux O-rings de rechange et deux vis de rechange, une pour le positif, une pour le négatif. Donc toujours appréciable d'avoir des petits spares. Et voici l'engin démonté. Je suis pas très cadré là. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais, enfin on s'en fout, je vais vous montrer chaque pièce. Donc un top cap, un sur top cap qui vient verrouiller la bague d'airflow. Le tout étant en stainless steel 304 sauf le pin de connexion qui est en laiton. Sinon tout le reste est du pic pour les isolateurs, sinon 304. Donc ce top cap de verrouillage gravé comme ça façon diaphragme d'appareil photo ou intérieur d'un canon d'ailleurs. Puisque ce sont les mêmes modeurs que le revolver, donc je pense que c'est plutôt des traces de l'intérieur d'un canon de pistolet. Voilà, une belle petite pièce, toute simple, avec des filetages. Une bague d'airflow, qui elle est polie, tout le reste étant brossé. Donc on est biton sur cet ato, sur ce dripper. Avec des cyclopes, pour du dual ou du single, donc trois cyclopes. Deux en opposition et un tout seul. On voit ici des tranchées dans cette bague. Pourquoi? Parce que on verra plus tard, cette bague est réversible. C'est-à-dire soit on met les cyclopes vers le bas,
pour que l'air arrive directement sur les coils, soit on met la bague à l'envers pour que l'air passe par le haut, descende dans ces tranchées et vienne frapper les coils pour une vape plus douce, plus chaude, différente. On verra ça plus tard, c'est sympa comme système. On a une cloche, une chambre d'atomisation. Donc avec ici une base brossée avec les deux cyclopes qui font 6 mm par 1 mm et demi, 2 mm de haut, j'ai pas mesuré. Avec trois petits points de repère pour placer sa bague tamponnée sous les cyclopes. Très discret, peut-être un peu trop. Un filetage en haut pour le petit top cap de verrouillage de bague. Intérieur, un dôme. Un petit dôme sympathique, une chambre relativement réduite. Voilà pour la cloche. Et ensuite, on a tout ce qui compose la base. On va la remonter tranquillement. Donc, la base. Comme on voit, il n'y a pas de plot négatif dans cette base, dans cette cuve, il n'y a rien. Intéressant. Le Q, logo Vaporshock, numéro de série, ici le 150, le nom Silence en Helvetica. 510, parfait. Les deux rainures pour les O-rings que je vais remettre tout de suite. Des petits O-rings rouges comme ça, façon ballon, les O-rings ballon que j'appelle. Un peu translucide, un peu mou. C'est pas les O-rings que je préfère. Mais ils font bien leur office. Ok, on remet ces O-rings. Ensuite, on a un isolateur en pic pour la connexion 510. Avec d'un côté un petit emplacement donc pour la connexion et de l'autre pas d'emplacement. Cette partie là va à l'intérieur, on l'enfonce en force, enfin ça y va tout seul, on pousse un peu dans le filetage 510. Et donc cette vis de connexion en laiton. Réglable, pas vraiment, pas réglable on va dire, qui vient ici. Ok, on a un système pour les négatifs façon un peu Richelieu que je vous ai montré récemment, c'est à dire des plots négatifs flottants. C'est pas mal, avec un anneau au centre fileté comme ça qui vient donc se fileter ici autour. Ok, tranquillou. On vient visser ça, on serre bien. Et donc voilà. Ce qui fait que la cuve est bien grande, quoi. Il n'y a pas deux plots qui viennent manger un peu d'espace. Même si le cylindre central est un peu large, on a quand même une bonne contenance. Cette cuve fait 4 mm de profondeur, ce qui est pas mal. Ok, on a deux petites vis. Alors j'ai toujours du mal avec les vis en caméra. Deux petites vis pour coincer ces pattes négatives. Cruciforme. Ah, vas-y. Mon petit tournevis, il est là. Ok. Donc voilà les plots négatifs. C'est beau cette base, ce design sympa. On a un second isolateur en pic différent avec une petite collerette qui vient ici au milieu. Pareil, on le met en place très simplement pour isoler le plot positif. On a le plot positif qui se compose de cette pièce avec un large trou qui fait bien 2 mm et un petit filetage en dessous qui va venir, en fait c'est le pin laiton qui vient se visser dedans. Donc en fait on vient peut-être enlever le pin laiton, bon, il va sortir tout seul. Ou pas.
Ouais, mettons après le pin laiton. Il me faut une petite tige. Bon, moi j'aime vous démonter les atomes, mais c'est pas la peine. Hein. Pour centrer le trou entre les deux pôles négatifs. Et pour enfoncer en force, comme ça, dans le pic. Ok, parfait. Ça, c'est une tige qui fait 2 mm. Donc oui, le trou positif fait un bon 2 mm parce que ça flotte un peu. Et donc, les négatifs, c'est pas un système de trou. On vient quicher son fil sous la vis, ce qui est un système qui marche très très bien. Donc voilà, et puis on a une grosse vis un peu plus grosse que les deux négatifs pour le positif. Qui vient se visser là-haut. Parfaitement bien. Et voilà, la base remontée. Presque, puisque maintenant on vient remettre son pin laiton. Qu'on vient serrer. Alors là c'est un tournevis plat. Qui vient se visser donc dans le plot positif et qui vient solidariser le tout. C'est pour ça que c'est pas vraiment réglable, même si c'est pas mal coincé ici hein, dans le pic, donc éventuellement on doit pouvoir jouer un petit peu, mais j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, je viens bien serrer éventuellement en remettant ma tige pour faire pour avoir une prise là-haut et pas faire tourner le tout, et pour bien attention, c'est du laiton, c'est un peu mou, je suis parfait, c'est bon, la base remontée. Ensuite, comment ça se passe? Ben, tout simple, hop, on vient prendre ces parties hautes. On a donc ce dôme, cette chambre d'atomisation qui vient se plugger très bien sur ces o-rings un peu mou. Puis on met sa bague d'airflow comme ceci. Donc on a les trois points pour céder au placement de la bague, ce qui est pas mal. Mais tu me fais chier, caméra mise au point manuel hier, yeah, magnifique. Ok, donc soit en dual comme ici, trois points de chaque côté, soit en single ici et rien derrière. Donc ça c'est pour la prise d'air direct. Alors les cyclopes en dessous font 6 par on va dire 2. Les cyclopes ici sur la base d'airflow fait 6 mm également, un peu moins d'ailleurs. Disons qu'on profite pas vraiment des arrondis du cyclope du dessous, et un peu moins haute bizarrement, un poil hein, ça joue à pas grand chose hein. Donc on n'a pas un tirage de Psycho, moi il me va très très bien ce tirage, il est très bien. En full open, c'est parfait. Donc single dual, et ce qu'on peut faire donc c'est la mettre à l'envers. Et alors là c'est un petit peu plus tricky parce qu'on a les trois points, ce qui indique donc l'emplacement du cyclope en dessous. Et donc on doit aligner à l'œil les cyclopes en haut. Alors on peut se céder avec les reflets, par exemple si je mets un reflet sur le point central, ou même encore mieux, sur un point d'extrémité, tac, je sais que je suis bien placé. Et donc l'air va rentrer par le haut ici et descendre, puis ressortir par le cyclope sur le coil. Donc chemin un peu plus long pour l'air, c'est-à-dire tirage un peu plus serré et vapeur plus chaude, etc. Différents rendus quoi. Donc en dual comme ça, ou en single, toujours pareil. Tac. Un petit peu chiant, moi j'utilise pas perso hein, avec les airflow en haut. Pour les positionner, on aurait pu apprécier avoir un point sur cette bague ici. Pour pouvoir les aligner, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors on peut le faire soi-même, hein, un petit coup de je sais pas quoi, un petit coup de Dremel. Donc attention, l'air évidemment ne vient pas par là, hein, puisque une fois qu'on a mis en place, on vient verrouiller sa bague d'airflow avec ça. Le filetage est parfait. Tac. Et donc l'air rentre par les cyclopes en haut, descend dans la rainure et ressort. Donc voilà, perso moi j'utilise en normal, en dual,
Donc pas de problème pour aligner. Quand on vient verrouiller la bague, on tient sa bague et la base comme ça, pour pas qu'elle tourne au serrage. Mais ça va bien, ça tourne pas trop. Tac. Très bel atto, très sobre, très simple, en 22 hein, évidemment, niveau hauteur. Pas de drip tip fourni, c'est un peu dommage. C'est vrai que ça devrait être un petit peu la base de fournir un drip tip quand on fait un atto, quoi, finir son design. Hauteur 23,52. 54, 23,5 quoi. Donc 22 par 23,5, il est presque carré. Bonne proportion, assez sobre, assez petit, discret. Il me rappelle un peu l'origine. Dans la sobriété et l'efficacité d'ailleurs. Un petit tour. Drip tip, tous mes drip tips rentrent parfaitement. Qu'est-ce que j'ai sous la main comme drip tip? Je vais mettre mon fidèle Norbert qui rentre parfaitement. Mince, c'est un Norbert long, je préfère les Norbert courts, mais bon, pas de souci, hein, ça tient plutôt tight, plutôt bien. Impeccable. Bon, je vais faire avec un Norbert long pour cette démo, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Et donc voilà, je vais le mettre sur un revolver, évidemment. Mise au point automatique, on va voir ce qu'elle dit. Revolver dont j'ai fait la revue, ceux qui l'ont pas vu et qui sont intéressés par cette marque, n'hésitez pas à aller voir, c'est quand même du beau matériel coréen. Perso, j'aime beaucoup ce que font les coréens. Sans chichi. Plutôt toujours un petit truc innovant, un petit truc foufou. On règle le rattle. Yes. En l'occurrence sur le revolver que voici. Revolver. Le petit plus, c'était le switch de ouf avec son système de lock. Et ce petit barillet, donc voilà, plutôt canon de pistolet là-haut. Pour un setup full vapeur shock, du plus bel effet. Attendez 2 secondes, j'essaye de faire un truc. Enfin voilà quoi. Très sobre hein, comme setup, comme design. On voit pas très bien en caméra. Hein. Mais c'est. Ouais, c'est pas flagrant franchement. Le côté brossé poli, moi il me saute pas à l'œil. Même à l'œil, il me saute pas aux yeux. En tout cas, c'est plus ou moins le même finish que le revolver. C'est assez beau. Donc voilà, on va pas traîner trop, je vais passer au montage, on revient tout de suite. Donc, on va passer au montage sur mon petit Friday Morning, coréen également. Où est-ce que j'en suis de ma mise au point ? Tac. J'ai fait mes deux petits micro-coils avec mon Curo Concept que je conseille à tout amateur de micro-coils. C'est vraiment super pour faire des beaux micro-coils. Ici en 0,40 sur du 2,5 mm. J'ai ensuite transféré mes micro-coils sur des tiges de 2,5 mm. Très pratique également. Et on va faire la mise en place. Donc, bah tout simple, hein, je vais essayer de faire rapidement parce qu'on s'en fout un petit peu. On connaît ça maintenant. Aucune idée des ohms que je vais avoir, comme d'hab. Freestyle, je dévisse mes vis. Ok. Et puis voilà. Hop. Très pratique, on fait le tour de la vis. Ok,
Moi, j'aime bien tirer avec une pince. Voilà. Je bloque, je visse mon négatif numéro 1. Ça prend très bien, pas de souci. En voilà un en place. Je prends le second, je vais couper un peu ma pâte avec ma pince spéciale coupage de pâte. Merci Gros Calou. Un cadeau pour mes 40 ans de mon ami Gros Calou. Une petite pince très pratique pour atteindre les angles les plus relous pour couper ces petites pâtes. Hop, hop. Donc je vais couper un petit peu, même carrément. Est-ce que je la coupe maintenant? Non, je vais pas la couper maintenant, je couperai tout d'un coup. Allez, soyons fous. Je mets mon deuxième coil et évidemment le soleil se couvre, donc la lumière est moins bonne. On verra plus tard, c'est pas grave. Hop, je passe mon fil. Je reprends ma pince. Je tire. Et je viens serrer. Correctement mes deux pattes négatives. Yes. On est OK. Je vais serrer le positif. Comme il faut, j'ai pas eu souci de cassage de fil hein, pour l'instant. Ok, je vais sortir mes tiges. Tac. Très pratique ces tiges. Tac. Ça donne quelque chose comme ça. Tout bête, un hein, dual coil tout bête. Hein. Et puis ma petite pince magnifique pour couper mes pattes. Seul truc que je lui reproche, c'est que je peux pas couper mon coton avec cette pince. C'est un peu con, il me faut deux pinces. Mais pour les montages complexes, en tout cas, merci Gros Calou, elle est quand même super pratique pour atteindre bien ras. Et voilà, j'ai coupé mes quatre excédents. Alors combien je vais avoir? J'en ai aucune idée. Faisons un pari. Allez, au pif, qu'est-ce que j'ai? Oh, je vais être haut là, je vais être à 0,5. J'en sais rien du tout, sérieux. 0,4. Hop, en tripode, voir si ça bouge. Ça ne bouge pas, c'est bien serré. Par acquis de conscience, perso, je remets toujours un petit coup de tournevis pour pas avoir d'emmerde. Voilà, 0,39, ça sera un peu lèche pour un méca, mais sur box, ça sera impeccable. Mais tu vas te dévisser, toi? Zut. Et oui, en serrant, j'ai bloqué sur mon Friday morning. Mais je vais pas me laisser emmerder. Ah, zut, zut, zut. Est-ce que je vais couper cette partie ou pas? Tiens, essayons avec le top cap. Yes. Top cap en appuyant pour faire pression. Ok, on va remettre ça sur le mode. J'ai une VTC 5 à bloc là-dedans. On va déverrouiller, on va voir. Oulala, un petit coup de pince céramique. S'il te plaît, ne pète pas, coil. Ok, on est pas mal. Oh,
On est très bien. Niveau hauteur. On est un peu haut. En gros, faut être pile au niveau des vis négatifs, quoi. Donc, je vais réinsérer mes tiges. Si elles veulent rentrer, ce qui n'est pas toujours gagné. En l'occurrence, si j'en prends une plus petite, elle va rentrer. Et puis, je vais remettre ça bien droit, les aligner au vis. Et ce sera très bien comme ça. Hop, un petit plugage de top cap pour voir à travers les cyclopes où j'en suis. Ok, je suis bien derrière. Des deux côtés, pas de souci. Hop, je verrouille. Je vais passer au cotonnage. Fiberfrix D1. Donc montage quand même assez aisé, hein, pour peu qu'on soit habitué à faire des micro-coils et qu'on soit un minimum outillé pour se faciliter la life. Hop, je vais recouper un peu mes moustaches. Et puis bon, vu la conception de la cuve, pour le placement du coton, on n'a vraiment aucune emmerde, quoi. On place ça comme ça vient, hein. Autour du truc central. Tout va bien. Tac. Tac. Vous faites ça comme vous avez l'habitude de faire, plus de coton, moins de coton. Ouais, j'en ai un peu trop, moi, pour moi. Mais franchement, je m'en tape. Ah, ah, hop. Hop. Et voilà, on est bien. On est plutôt bien. J'en ai un peu trop. Bon, tant pis. Je vais mettre du looper, mon gros coup de cœur du moment. Tuerie absolue. Si vous arrivez à en trouver, ce qui n'est pas une mince affaire. Courez, Philippe Rock, tuerie citronnée, riz, au lait, céréales, gourmand, mais quand même très citronné. Moi, j'adore. Je suis juste accro. Et à l'avoir trop conseillé à des amis, il n'y en a plus chez Sweet and Sours, anciennement Liberty Smoke, qui avait rentré ce fabuleux jus et dont j'attends la réappro impatiemment. Voilà, bien de jousser. Je suis très citron en ce moment. Petite période banale, après j'ai une petite période citron en ce moment. Bref, on s'en fout. Tac. Trop de coton, trop de coton. Hop. Vas-y. Pouh. Vapor. Ok, donc une fois plugué, hein, on a une chambre domée et relativement réduite. Les arômes sont très très bien, très corrects. C'est pas la meilleure saveur que j'ai eue, mais c'est très très correct. Moi, ça me va super bien. Hop, je trouve assez easy d'utilisation. Assez beau.
On va passer sur ma face pour une conclusion. C'est parti. Yes, les Vapers de retour sur ma face. Avec le Silence The Vapor Shock, dripper coréen, vraiment sobre en niveau design, sympa comme tout, moi je l'aime beaucoup, compact, simple à monter. Ici en dual coil, donc les deux cyclopes à fond, je suis à 0,39 donc c'est pas fabuleux sur mes caf. C'est quand même déjà plus que correct. Niveau saveur, c'est très très bon. Mon looper, c'est une tuerie là. Looper, les mecs. Looper avec un flacon magnifique. Testez-le si vous avez l'occasion. Voilà, quand même très bien. Si j'étais à 0,3, 0,2, ça serait la tuerie. Ce qui est pas mal, c'est que quand on a un drip tip étroit, on peut sortir la bague. Sans enlever le drip tip, ce qui n'est pas le cas avec un drip tip plus large, évidemment. Hop, je vais mettre la bague à l'envers. Donc je vais essayer de pas me gourer pour prendre mon tirage par le haut et voir la différence. J'avoue, j'ai pas trop tourné comme ça, ce que j'aime pas trop, moi. Je trouve ça un peu chaud et un peu serré, mais on va voir ça tout de suite. Donc ça donne ça. Ok, alors voyons ça. Ça change pas énormément, c'est un peu plus chaud, un peu plus serré mais pas trop, parce que les tranchées dans la bague sont quand même assez profondes. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je suis un peu épaté là. Ça a aussi le privilège de l'avantage plutôt. De ne pas liquer du coup, puisque voilà quoi, le jus il a aucune chance de sortir par là-haut. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait du cloud. Tiens, je vais le mettre sur une box pour voir. Voyons voir sur une box. Et merde. Hop, on va mettre ça sur la sur ma chouchoute du moment, ma petite Exome V2 revue à venir plus tard. J'ai du retard, vous avez vu. J'ai fini de bosser là, ça y est. Enfin, en tout cas, je bosse chez moi maintenant. J'ai plus de transport et compagnie, donc c'est plutôt cool. Je suis à combien là? Ouais. Je vais redripper un chouille. Ouais, ça envoie mieux déjà. Hop. Du coup, tout en haut, on peut dripper comme un goré. On peut monter au-dessus de la cuve, c'est clair. Jusqu'au coil. Yeah. C'est très bon. Je vais monter un peu. Très bien, je vais repasser en airflow direct. Ça va quand même manette pour moi. Hein. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Hop, je rebloque. Très simple hein, le changement. Hop, alignement. Simple, comme tout. C'est quand même bien plus aérien. Quand même. Excellent. Pourquoi en caméra je n'y arrive pas? Pourquoi?
Donc voilà, ce petit dripper coréen. Niveau prix, bah, c'est coréen. Les coréens, on sait qu'ils se rincent un peu sur les tarots. Ceci dit, chez Sweet and Vapes, mon ami Aurélien, qui me l'a envoyé pour review. Merci à toi, il est à 104,90€. Oh, c'est un dripper coréen à yen, quoi. Laisse tomber. Si vous avez moyen, si vous voulez vous faire plaisir et si vous a plu, il vous a plu, je vous assure que vous ne serez pas déçu par ce petit dripper. Arrête, tu passes pour un nul. Donc voilà les amis Vapers. Merci Aurélien, je crois que c'est ton anniversaire dimanche. Happy birthday à toi. Je vous dis à bientôt pour d'autres reviews. Donc je suis chez moi maintenant à plein temps pendant un mois et demi. Donc je vais pouvoir enchaîner les reviews même si j'ai pas mal de taf chez moi. Mais je vais essayer de rattraper mon retard. J'ai pas mal de choses en retard, ça va venir. Vous inquiétez pas. Stay tuned et à bientôt. Bonne vibe, ciao. Like, ugh. Not like, ugh.